Pour la première fois à l'ECMT, nous arrivons à organiser un événement de grande envergure avec 5 promotions et s'il vous plaît, avec la présence, je dirais, de 4 ministres. Notre école a en effet une tradition d'exigence et d'excellence pour décerner ses diplômes. Cette cérémonie de graduation constitue le commencement d'une nouvelle vie qui a débuté à l'ESMT pour vous mener vers d'autres lieux et d'autres expériences. Vous avez désormais les connaissances, les compétences, la confiance et les capacités de leadership nécessaires pour rendre la vie des autres meilleure. C'est pas dans des très grands laboratoires de recherche où il y a eu des milliers de chercheurs, où il y a eu beaucoup d'argent. Ce n'est pas dans de grandes usines, de grandes industries. Parfois, c'est né dans des garages. Microsoft, c'est dans des garages. Parfois, ce sont des étudiants dans des chambres d'étudiants. Google, Facebook. Être ingénieur, c'est oui, moins les chiffres, plus les gens, c'est moins les machines, plus la méthode. Être ingénieur, développeur, community manager, chef de projet digital ou technicien, c'est être profondément humain. À tous les niveaux diplômés, futurs chefs d'entreprise, futurs ministres, futurs présidents, futurs lauréats de prix Nobel, futurs hommes et femmes d'affaires, futurs milliardaires de ce continent. Je vous souhaite un bon vent, car avec vous, c'est toute l'Afrique qui gagne. Soyez fiers d'être de l'ESMT.